Bonjour la gang! Hello! Ah, ok, j'ai tellement ça. Ça commence bien. Bravo, bravo. Bonjour! Hello! Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Hi. Puis, on avait carrément envie de faire des vidéos. J'étais comme, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Puis là, j'ai pensé, c'est l'automne. Uh-huh. C'est l'automne. Moi, perso, j'ai jamais goûté, jamais de ma crise de vie au snack d'automne des restaurants. Puis ça, puis les restaurants font tout le temps des spécialités. Ouais. Un petit peu funky. Ouais, des trucs de pumpkin, genre. Ouais, c'est ça. Genre, les affaires astrues, je sais même pas c'est quoi ça goûte ça. Genre, j'ai jamais goûté. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai genre quasiment pas mangé la journée. Moi non plus. Parce que j'ai hâte de goûter ouais, une spécialité. Ouais, moi tout. Fait qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, on s'en va faire la tournée des petits restaurants. Puis on va manger comme des porcs. Oui! Comme des grosses crises de truie, là, parce qu'on est capable de le faire. Yes! Les trucs d'automne, c'est genre, mettons, des galettes à melasse. Non? Ça marche-tu? On dirait que dans ma tête, quand je pense à des snacks d'automne, je pense à genre... Jesus, bonjour! Hey, by the way! J'ai pas dit ça! J'ai une carte cadeau du McDo! Hein? Oui! Impossible! Fait qu'on va avoir du McDo gratuit, la gang! Ben, surtout nous, parce que vous aurez rien gratuit. Ouais. Ben, la vidéo est gratuite! Check, ok, on voit déjà des menus d'automne. Saison du latte aux épices d'automne. Aux épices d'automne, c'est quoi ça, les crises d'épices d'automne? Ouais, ils peuvent ça être plus vagues, genre. C'est ça, c'est ça que ça veut dire. Ça veut tellement rien dire. Moi, des épices d'automne, dans ma tête, c'est comme des feuilles mortes, genre. Fait que si tu mets des feuilles mortes dans mon latte, je suis pas tendance, ma chum. J'ai faim, j'ai envie de. Oh, on prend-tu genre au poulet en même temps? Ouais, j'ai fucking faim. Ok, c'est sûr que je prends des frites. Genre, je suis une bitch pour les frites du McDo, ouais. Là, comme. Allô? Allô? C'est vraiment ce qu'il y a un McFlurry, genre, d'automne. J'ai goût de prendre un cheese. Un cheese plus de frites. On est les pires! Oui, bonjour. Avez-vous des spécialités d'automne? Ok, ben on va prendre deux fois ça. Ouais, deux fois. Avez-vous d'autres trucs d'automne, genre? Oui. Mettons des trucs sucrés, des McFlurry d'automne. Bon, mais ça va être juste le latte. Un McFlurry de quoi? De Nemo? J'ai rien compris. Un McFlurry de quoi? De Nemo. Nemo? On va prendre un McFlurry de petit poisson? Je sais pas. Ok, on va prendre un McFlurry de poisson. On va prendre un de aussi. McFlurry de Nemo, là. C'est quoi, de Nemo? Petit. Un petit. Une grande frite. Prends-tu un cheese? Des cheese, des petits cheese. Pis de deux cheese. C'est pas d'automne, gang, mais on a le droit. Okay. On a juste on s'en calisse. Deux cheese. Deux cheese? Ouais. Non, la madame, elle nous juge. C'est ça. Comme voyons, vous êtes dans une gang de pauvres, vous autres. Mais à la base, elle a dit un McFlurry Nenemo. Mais c'est quoi fucking Nenemo? Oui. Checké. On a une carte du McDonald's. Deux cheese. Ouais. Un petit latte, un classique, des collations de Nemo. Ouais. C'est quoi le Nemo? Je comprends pas. Mais ouais, on sent un truc avec des essais de Oreo. Ouais, c'est du. Ok, elle me niaise. Elle dit Nenemo pour Oreo. C'est pas. Ouais, c'est du vrai? C'est ça, attends, on va checker la facture. Nanaimo. Ah, ok. Oh, Nanaimo. C'est quoi du Nanaimo? Quelqu'un veut écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ça du cri de Nanaimo? Ça doit être des. Bouts dedans. Ouais. Déjà, c'est bon. C'est bon? Je sais pas à quel point j'aime ça pour elle. Fait que, ben déçu du McFlurry, Nanaimo, shit, Nene, Momo, on sait plus trop dans le fond. On a plus de pas c'est quoi. Oh my god! Ah, sont faux à fouet. Ouais, ils sont fucking bouillants. Ils font encore... faux en fait. Ouais, c'est ça, ils sont comme un peu trop chauds en fait. Fait que ça, c'est les petits lattés d'automne. Ils sont petits en crise, hein, on va dire la chose. Ouais, on a commandé un petit aussi. Ouais, on a commandé un petit. J'avoue. Ça sent épices. Ça sent les épices d'automne. Mais ça sent la cannelle, je trouve. Ouais, ça sent vraiment bon. Ok, santé. Ça va peut-être être fucking chaud. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être pire que les frites. Ah, bonne température en fait. Ah, c'est comme pas mauvais pour vrai. Ok, c'est écrit sur la mais facture. Mais je suis pas genre. Waouh. Il y a comme, tu sais, le petit arrière-goût d'épices qui fait en sorte que. Ouais. Okay, c'est bien longtemps. Ouais. Mais à quel point c'est excitant, je sais pas. À quel point j'aurais jamais hâte à l'automne pour boire un latte d'épices d'automne. Ouais, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait aller chercher? Quoi? Tu sais, là, c'est le typical truc que genre, on entend tellement parler sur Insta et tout, là. Le pumpkin spice latte, là. C'est où? Ouais. C'est, je pense que c'est au Starbucks. Ouais, on va essayer ça. Peut-être que ça va être plus excitant. Peut-être qu'il y a des questions genre croustillantes qu'on pourrait répondre en mangeant des frites chaudes. Quelqu'un qui dit, pensez-vous voyager ensemble? Non, on devrait. Je serais fucking nice. Je serais vraiment down. Est-ce que cet hiver, t'avais des plans? C'est sûr que tu décolles ça? Moi, je vais décoller ici. Ouais. Bon, ça, on se planifie ensemble. Moi, dans le fond, en décembre, je me fais, avec ma famille, on fait un petit voyage familial, genre, de Noël, puis tout. Mais je vais venir, parfait. Ok, on se fait un pack de frites qu'on va faire un voyage hiver. Pack de frites, ça veut tout dire, là. Genre, si c'est sûr, je vais être comme ma tabarnak, je mange plus jamais de frites avec toi. Un gros crise de zoom sur ma face.
Bon, fait qu'on est back. C'est comme des petits cappuccinos épices d'automne. Tu sais qu'il y a comme un petit coulis. Ça promet. Ça a l'air quand même bon. Ouais, moi à la base, je suis vraiment une cappuccino glacée Tim Hortons girl. Ouais, ben oui, c'est fait que genre bon. J'en prends toujours. Fait que là, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Fait que ça nous parle. Le changement avec le truc. Ouais. Santé. Santé, on y goûte. Ça goûte pareil. Ça goûte. Non, même affaire. For real? C'est complètement décevant. Mais c'est vraiment bon, mais genre. C'est vraiment bon. Mais en plus, le coulis sur le top, il y a que juste le caramel. Mm-hmm. Dans le fond, je pense que toute de la bullshit de comme épices d'automne pis tout, c'est vraiment juste un coup marketing. Là. Ouais, vraiment. Que comme les restos, ils ben font oui. Pour. On s'est fait avoir en crise sur ce coup-là. Là. Ouais. Tim Hortons, on est déçus. Déception. Non. Trahison. Aucun changement, je comprends pas. Genre trahison. Je me suis fait fourrer raide. Vous trahissez Tim Hortons. C'est la trahison ultime. Fait que là, on a un petit muffin épices d'automne du Tim Hortons. Qui a fucking l'air pas tant. Dégueulasse. Je veux bien, mais. Bon, moi, je trouve que c'est les petites affaires, là, c'est le top, ça n'a pas l'air attrayant. Non, c'est vrai, ça m'inspire pas. Je sais pas c'est quoi. Tout. Ah, mais ouais. Il sent quand même bon. Ah, ok. Il sent l'automne, en tout cas. Si l'automne a une odeur, je pense que ça serait ça. Ok. Le muffin. C'est fucking pas tant bon. On dirait que c'est pas mauvais, mais je suis pas genre, oh shit, genre. Allez, vous prendre la muffin d'épices d'automne. Ouais. Je trouve que la majorité du temps, des muffins, c'est genre fucking sec. Celle-là, il est particulièrement sec à cause des graines dessus, genre. On dirait que c'est comme. Mais ça goûte genre les pains d'épices. Ouais, c'est vrai, hein. C'est fucking bon, ça, les pains d'épices. Ça goûte genre le petit bonhomme en pain d'épices. Ouais. Hey, quand ça va être le temps des pains d'épices, là? On pourrait faire une compétition de maison de pain d'épices. Ah! Ça serait pas une drôle. On fait ça. Ok, on fait ça. Yes! Parce que, ouais, c'est fuck, c'est longtemps, je suis excitée, je veux faire la compétition. C'est comme fuck, mais c'est dans trop longtemps, là, je vais absolument faire la compétition là, là. Ben, non. Et il reste un bang! Ça, c'est l'accident. Ouais, le bang, il y en a l'accident. Ouh! Okay. Il est tout aux épices d'automne, là? Ouais, bang d'épices d'automne de Tim Hortons. On y va. Okay. Cheers. Santé. Ah, il est bon. Mmh. Oh! Ah, c'est définitivement meilleur. Ah oui? Ouais. Ah, j'aime ça. C'est fou, mon genre. Ouais. Il est bon, là. Il est comme tout mou. On dirait qu'ils l'ont fait à matin. Ouais. Wow! Mmh. Je suis contente d'avoir fini avec ça parce que pour vrai, les autres affaires, j'étais comme. Ouais, décevant. Décevant. Mais ça, c'est bon. Au moins, vous avez un bon bang. Ouais. Fait que vous irez vous gâter le bang. Puis le reste, laissez faire. Je vous confirme. T'as déjà fini? Ouais, moi, j'ai dévoré. Moi, ça va genre 2 minutes et j'ai fini. Ah oui, voyons. C'est comme tu m'as donné, j'ai fait. Bon, fait que là, on veut absolument essayer le Starbucks parce que, paraîtrait-il, il y aurait un pumpkin shit. Pumpkin. The pumpkin. Non. Pumpkin spice latte. Pumpkin spice latte, ça se vend en crise. Ah, c'est pas dire. Ouais, ouais, mais c'est ça qu'on veut. Fait que ça, on veut absolument goûter. On a comme tout mis nos espoirs. Ouais. Ouais. On se dit, genre, on va garder le meilleur pour la fin. Ouais. On est arrivé au café Starbucks, bonsoir. Évidemment, on est à Montréal, fait qu'il n'y a pas vraiment. Le truc, ça fait ça, voilà. Oh non, il y en a plus! Il reste juste lui! Oh non! Bon, fait que déception, again. Ouais. Quand lisse! Ce qu'on voulait prendre à la base, c'est le pumpkin spice latte. Ouais. Fait qu'on l'aurait jamais goûté. Ouais, mais il y en avait plus, fait que. Regarde. Il y a des affaires quand même pires que ça dans la vie, on va dire. Ouais. Fait qu'on a pris juste un, là, parce qu'on commence à être fucking plein. Ouais, là, ouais, on est capable, trop de sucre pour vrai, là. Moi, ouais. Je suis en train de mourir. Fait que ouais, on en a juste pris un, on va le partager, comme ça, pas de gaspillage. Ça, c'est un. C'est quoi le nom? Un frappuccino. C'est un frappuccino ou au caramel salé, hein? Au caramel salé, mais c'était comme dans la section d'automne, fait que genre. Je sais ben, pas en fait, si il est différent, là. Genre, il y a juste l'air d'un. Écoute, on voulait juste avoir du contenu pour la vidéo. Fait que regarde. On va y aller avec ça. Fait qu'on va écouter. Ok, non, faut que tu goûtes. Oh! Oh shit! C'est à vous, c'est comme genre sucré salé. Attends, j'en prends un autre. Ah oui, moi tout. T'as pété! Nom, nom, nom! Ben, honnêtement, tu sais, c'est taste, là, ultra sucré, mais comme. Ça fait pas vraiment automne, là. Non. Ouais, mais genre, je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur leur menu d'automne, là. Moi, je vois pas. Non. Par rapport. Fait que morale de l'histoire, honnêtement, je pense que les menus d'automne. On sent contre Chris. Ouais, vraiment, là, c'est clairement. C'est clairement. Du un marketing. Ouais, ouais, vraiment. Déception. Trahison. Les shit d'automne nous ont vraiment déçus. Et goûte la merde. Le gros cul. Le caca. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez en commentaire. Trahison. Déception. Ok, bye, gang. Bye. Goodbye.
couscous.